J'ai voulu qu'on sorte un petit peu du système traditionnel que l'on utilise. Franchement, je trouve que les filles ont bien répondu ce soir, c'est pas simple. C'était aussi voir comment on allait défendre à trois derrière avec trois vrais défenseurs centrales. J'avais mis également deux milieux de terrain défensifs très athlétiques pour répondre aux défis physiques. Malheureusement, Amandine est sortie prématurément. Mais Élise a malgré tout très bien rempli son rôle de milieu défensif. Puis après, quand on arrivait à trouver la première passe vers l'avant, on avait des capacités offensives, et notamment de vitesse et de jeu combiné. On a été efficace et je pense que ce soir, on a gagné de la manière, donc ça fait plaisir. On est obligé d'essayer plusieurs systèmes, plusieurs choses, puisque après, les équipes vont commencer à nous connaître, donc il va falloir surprendre. Après, c'est pas fini, il restera encore un match contre le Cameroun, mais j'espère qu'on va finir le stage sur une victoire. Tout gagner aujourd'hui, mais si on les rencontre à la Coupe du Monde, il va falloir les battre aussi. Et comme je disais, on ne veut pas être les reines des matchs amicaux. Ce sera important de gagner ces matchs aussi à la Coupe du Monde. Après, c'est important aussi de gagner quand même, mais voilà, on reste les pieds sur terre et on continue de travailler et d'avancer. On sait qu'on sera jugé à la Coupe du Monde, mais c'est important de gagner ces matchs quand même. Et puis de rencontrer ce genre d'équipe, elles font partie des favorites, c'est une grosse équipe, donc on avait à cœur de réussir un bon match aussi par rapport à ça. C'est une première et j'ai envie de bouger partout, de saluer tout le monde et je suis très heureuse. J'ai envie de continuer à jouer là. On a vu ce soir que même avec des nouvelles joueuses qui n'avaient aucune expérience au niveau international, voilà, on arrive à constituer un groupe aujourd'hui. C'est vrai que j'avais un petit peu de stress avant d'aborder ce premier match. C'était une première titularisation, donc c'est jamais simple. Après, j'ai respecté les consignes et j'ai essayé de jouer simple comme Corinne m'a demandé. Et c'est plutôt bien passé, je me suis bien sentie et ça m'a libérée tout le reste du match. Il faut que ça continue, on n'est pas arrivé, on a encore plein de choses à explorer. On est dans notre marge de travail, voilà, mais il y a encore du travail à fournir. On n'est surtout pas arrivé ce soir. Allez, allez.